VODI, on se retrouve pour un petit épisode supplémentaire sur Ozymandias. On est 6 cette fois avec Gaelden, Gecko, Morgan, Rossignol et Zikino. Et bah, cette fois, je vais essayer de ne pas perdre. Ça, ça, ça va être dur. Trois forêts. Bon. Alors, le jeu John Peace, alors c'est un. Tu connais le concept des 4X à la civilisation, etc. C'est la même chose, c'est le même concept. On va devoir s'agrandir. Donc on a plusieurs ressources, la recherche, l'argent, la nourriture et la force. La nourriture va nous permettre d'acheter des petits drapeaux pour nous étendre. La technologie, d'acheter bah, différentes technologies pour augmenter notre force, diminuer le coût des drapeaux, ou ramasser plus d'argent de recherche ou de nourriture par case. Et l'argent va nous permettre d'investir dans différents trucs. L'objectif en gros c'est de s'étendre et d'écraser les autres. C'est assez simple. Hein. Bah, c'est donc, du 4X. On est sur du 4X, sauf qu'il n'y a pas vraiment de explore. Parce qu'on voit la map, on voit l'état des différentes personnes, etc. On est plutôt sur du 3X, quoi. En vrai. Pour être vraiment parfaitement précis. Ouais. On a une information d'ailleurs assez complète dans le jeu. Hein. On peut même voir les technologies, ouais. Là, si j'ai pas la souris, si j'ai la souris comme ça, je vois ce que moi j'ai. Si je survole quelqu'un, je peux l'espionner et voir ce que lui a comme technologie, ce qu'il a fait, je peux voir son or, la nourriture qui lui reste, etc. En début de tour, hein, pour précision. Oui, pour le début de tour, et on ne sait pas les actions qu'il va faire pour ce tour-là. Tout le sel est de voir ce que les gens vont faire. Zikino, c'est normal que tu n'aies pas validé ? Je réfléchis encore, moi, c'est ma partie de chauffe. D'accord. Et c'est vrai que, pour vous avoir regardé... Non, c'est bah, ça se bagarre déjà. Oh, t'es pas gentil. Quoi, tu l'as eu, c'est dégueulasse. Comment c'est pas juste? Ça, c'est bien. Quoi, tu l'as eu? Je suis fort et que tu es faible. Mais... Oh, il va pleurer. Ah oui. Alors là. Le salaud. Tu t'imagines pas une seule seconde que je n'ai pas pleuré. Tac, on va faire ça, avant, ça sera plus intelligent, et ensuite on va faire. Hop, hop. Sérieux ? On va partir par là et par ici. Le drapeau gratuit c'était intéressant, mais ça c'est très cher donc ça me paraît plus intéressant. Oui, un drapeau gratuit c'est toujours intéressant. Alors les cartes, à chaque tour on va avoir une opportunité qui va nous être proposée, on peut en avoir 3 à un instant T active, et en gros ça va nous donner des objectifs à accomplir qui vont nous donner des bonus divers et variés, donc des fois c'est des bonus directs, comme par exemple avoir un drapeau gratuit, on a un bouton obtenir, on peut le prendre quand on veut, et des fois ça va être des objectifs à faire, comme là j'en ai 2 par exemple, qui vont nous donner une récompense si on arrive à le faire. Globalement, c'est censé nous donner un petit peu un objectif de jeu, quoi. Ouais, Morgan, il essaie de sortir de son enclavement. Hein. Incroyable. Ha ! Ça, c'est pas mal. Toc, toc, toc. On va vouloir débloquer ça. Donc, je pense que ça, c'est un bon plan. On va prendre l'argent. L'argent. Débile. Bah, y a des gens qui commencent avec des villes plus grosses. Ouais. Alors, je sais pas, John P, si c'était assez clair ma description rapide et générale du jeu, mais n'hésite pas hein, si t'as d'autres questions. C'est quand même rigolo, ça s'appelait John Peace. Tu t'appelles Morgan von Brillan, excuse-moi, t'es mal passé pour critiquer le pseudo, quoi. Ça tonte sévère. D'ailleurs, hein, tu t'appelles Morgan von Brun. Exactement. J'ai un nom de grand ancien. Hey, espèce de mafieux, l'autre derrière, hey. Le rire diabolique derrière. Le rire de Chobiti qui fait mal.
Ça balance, ça balance, ça balance, quoi. C'est ça qui est bon. Ok, il y a une petite forêt que personne ne veut là-haut. Zikino, il y a une forêt ouais, qui l'entoure. Oui, moi, oui, mais elle est à moi, quoi. Peut-être pas tout de suite, mais elle est à moi. Alors que là, elle est entre deux, entre les rouges et les noirs. Personne la veut. Ça coûte cher d'aller sur les forêts. Je prends pas compte. Hop, on va compléter par là. Le jeu de mots n'a pas été fait exprès, John. Après, hein, certaines personnes voient le mal partout, comme on dit. Des jeux de mots partout. Non, j'ai juste lu. Oh merde, putain, j'ai déconné. C'est une connerie. Con. Ah ouais, c'est agressif comme ça, Gecko. Non. Je vois pas de je pose juste des drapeaux sur, sur là, mes là où je peux, là où je peux poser des drapeaux, je pose des drapeaux. Tac. Ça. Ouais, il faudrait qu'on s'ouvre. On va s'ouvrir ça avec cette recherche-là. On va faire ça et ça. Pour aller chercher ce petit bonus. Oh putain, merde. Pourquoi mes technos sont grisés là? En fait, tu peux commencer à prendre des technologies que à partir du moment où t'as au moins une case de ce type. Donc je peux pas prendre de techno de forêt parce que j'ai zéro case forêt. Donc il faut d'abord que je paye pour prendre une case forêt et après je pourrais développer les technologies de forêt. Ça c'est de l'océan. C'est de l'eau. Prendre ça, c'est très bon ça. Là, on peut se faire plaisir. Je pense qu'on va se permettre un petit investissement là-dessus. Oui, mais on n'est pas forcément pressé. Ah ouais. Pour que tu mets à chaque tour. Ça faille. Donc le mec, il est industriel. Ces techs de drapeau coûtent plus cher. Yes. Je l'ai niqué. Ça n'est du fond du cœur. Ça c'est fait. Non mais oh. Non, attends, on va recommencer. Hop, on va prendre ça. On va prendre. Du coup, maintenant que j'ai une forêt, je peux prendre ça. On va prendre, je pense, ça. C'est quasiment le seul endroit où on peut encore poser des trucs. Là on gagne beaucoup, donc on va commencer à économiser un chouille pour aller chercher justement ça. Ah, ça c'est relou. Après, aussi. Je peux pas non plus trop décrire parce que. Parce qu'il y en a qui écoutent. Bah, y en a des gens qui écoutent. T'inquiète pas, on voit aussi. Hein. Je te rappelle qu'on voit plus. Ouais. Vous regardez le live en plus, ils écoutent, ils regardent le live. Hein. Je peux dire des trucs et en même temps montrer d'autres choses différentes. Ça explique pourquoi je perds, ouais, Chobiti elle a raison. Exactement. C'est exactement ça. Bande de salauds. Tu dis ça parce que t'es en colère. Ça, ça. Je devrais pas regarder ce que tu fais, Lucine. C'est mauvais. Parce que non, tu devrais pas. Moi, je regarde que quand j'ai cliqué sur passer le tour. C'est exactement. C'est ce que j'ai fait aussi. Non, je regarde que le chat. En plus, ça sert à rien parce que en plus, le chat, j'ai mon super ma super appli qui fait que je vois le chat.
Non. Ah ouais, on n'est pas riche pareil. Hein. Moi j'ai mis une ville, il y en a, ils en mettent deux. Alors, ça c'est pof. Ça c'est pas ouf, mais on va le prendre quand même. On va l'activer tout de suite. Et on va pouvoir commencer à investir un peu par là. Alors, on va aussi prendre cette première technologie là. Alors là du coup on peut plus trop y aller, on va partir par ici. Là je... Bah si je peux m'attendre par là et puis par ici. J'ai encore des ouvertures. Mine de rien. Sur un malentendu ça peut passer. Alors la question... Ouais. La question c'est que là on est plutôt bien donc on a nos chances. Bon Gecko, je te propose une alliance pacifique. Parce que ça je vois le bas et le rouge qui se tape dessus juste à côté, j'ai un peu peur. Ouais. Alors faut faire très gaffe parce que Rossignol, ses alliances, ça termine toujours mal. Il paraîtrait même qu'un jour il s'est fait niquer à Game of Thrones. C'était pas moi, j'étais pas là. Là j'avoue. Tout ça. C'est faisable. Ah, oh, voilà. Ça. Ouais, il nous en manque deux, mais parce que c'est vraiment intéressant. Allez, on va le prendre pour avoir le petit bonus. Et du coup, derrière, on va viser ça, probablement. Alors. Hop. Hop. On va continuer par ici, tranquillou. Donc ici on est fermé. On va se replier un peu. On peut se permettre de laisser ça pour l'instant. C'est pareil, on peut se permettre d'investir là parce que ça on a largement ce qu'il faut. Là, d'ailleurs on va même mettre un peu par ici, voilà. Et on boit un coup. Allez, tiens. Ah, l'Alliance Pacifique. Ouh là là. Toute cette Alliance Pacifique part envolée. Alors, ça va pas durer longtemps. Moi. C'est plutôt que deux Ikido que je me protège, mais. Ouais, alors... Et j'ai pas fait d'armée. Celle-là, on le connaît tous. Hein. J'ai pas fait d'armée et le terrain que t'es en train de conquérir, c'est pas de mon côté. Vous venez dessus, là. Ouais, non. Là, bien. Le coup de « je me protège pour... » Pour mieux attaquer. Pour mieux attaquer, on l'a tous déjà vu. Hein. Les techs de production, c'est lesquels déjà ? On n'a pas ce qu'il faut là. C'est les richesses ? Les techs de production, c'est savoir, richesse et vivre, c'est tout. Quand t'as un truc qui te dit oui, il faut non, toutes les faire, il faut toutes les faire. Ouais. Ouais. Il a l'air tellement à m'étendre moi, avec toutes ces putains de montagnes. C'est trop bien les montagnes. C'est ce qui m'a permis de tenir un peu plus longtemps dans la partie. Mais c'est long, quoi. C'est long. Ça, je dirais pas. Moi, c'est bon, j'atteins le pic de ma puissance. J'irai pas au-delà. Carrément. Ah oui. Ouais. Non, mais les chi, c'est horrible à jouer, parce que les Song, ils peuvent juste spammer les villes et avoir des bonus défensifs énormes. Moi, il faudrait que j'investisse comme un terrier pour réussir à lui prendre la moindre case. Et lui, pour l'instant... ce qu'il veut. Ce qu'il veut, je suis cerné quand même. Là, par exemple, Lucien a sorti une unité pour m'attaquer, mais surtout pour faire genre, hein. Il aurait pu juste faire des villes et puis me laisser m'éclater dessus. Litchi, je sais pas comment on est censé les jouer. Et je peux plus faire de villes parce que t'es trop proche maintenant, le jeu me propose plus d'en construire là.
Oh, pauvre chou. C'est ça. Je suis vraiment dévasté. Ça se sent. Je te rassure. Ça s'entend. Il y a comme un feeling. Je te rassure, moi, en termes d'expansion, je suis aussi quand même très, très, très limité. Hein. Ah, ça va, vous avez des montagnes, vous plaignez pas. Ça. Moi, j'en ai pas beaucoup des montagnes. Hein. J'ai quelques montagnes au sud. En plus, il y a Zikino qui vient me chatouiller dessus. Ah bah, moi, c'est aussi mes montagnes au sud. Cet immense fleuve que t'as, là, franchement. Toi, t'as toute la place que tu veux à l'ouest, mais tu viens m'emmerder au sud-est. Ah, il faut bien bloquer les avancées pour pouvoir après s'étendre là où c'est plus facile. Ouais, Et t'as Gecko qui a t'auras plus rien. Gelden et moi, on a le même problème, parce que là, ce qu'on s'étend, c'est l'océan. Ben. J'ai pas toi, Gelden, mais moi, j'ai pas la production de science nécessaire pour rendre l'océan utile. Morgan, y a une solution, hein. On peut s'étendre au centre. Garde ça! C'est moi le militariste, c'est lui qui me conquiert! Qu'est-ce que je fasse? Non, mais ça c'est mort. Ouais. Ça c'est faisable. Ouais, on va chercher ça, c'est parfait. Là, on va commencer à bien se débrouiller. Ouais, ça c'est intéressant. Alors déplacer les troupes demande de la nourriture, hein, donc c'est pas forcément toujours pertinent. C'est pas gratuit. On va chercher ça. Oui, Zikino, il a du potentiel de développement, donc il a pas d'urgence à prendre cette forêt, à moins qu'il ait une tech, enfin qu'il ait des gros bonus, mais ce qui est pas le cas. Bon, ça lui ferait un de nourriture en plus par tour, donc l'investissement est pas forcément... Ah, mais il en a pas mal des forêts, donc en même temps, il pourrait investir dedans. Il pourrait investir dedans, ouais, tout à fait, mais pour l'instant, visiblement, bah, pour le moment, les prairies rapportent plus, quoi. C'est sûr. Ouais. Donc, Zikino, tu peux surtout essayer d'aller choper toutes ces plaines, ces rivières à l'ouest. Peut-être te défendre contre Gérard, là, le gecko. Gérard le gecko. Je savais que c'était un G, mais... Il y a du sel quand même, hein. Hein, ça se sent, hein. J'ai comme l'impression que... Non. Un petit peu. Ah non, là, non. Ah non, contre-signe, oui, carrément. Gérard, c'est juste le nom par défaut quand j'oublie le nom de quelqu'un. C'est Gérard Majax, même, des fois. Qui dit Jacqueline à toi. C'est ça. Ça serait compliqué. J'aime bien. Ici. Bien ça. Bien ce genre de choses. J'aime les. Bien plus intéressant. Les opportunités qui te font économiser 70 de recherche. Moi ça me plaît. Ça c'est entendu. Une conquête. Si on fait ça. On a plus qu'il faut. Par contre, on peut se permettre d'investir un peu là. Et ici, on économise pour ça. Par contre, on est à ça, donc on pourrait se permettre de claquer quand même un petit peu quelque part. Ça, c'est trop. On va investir là-dedans. Voilà, là on est parfait là. Parfait. Parfait, exactement. Oui, au prochain tour je vais devoir jeter une carte, mais à un moment je peux pas faire ces objectifs, donc du coup je fais ce que je peux quoi. J'essaie de comprendre. C'est simple à comprendre. C'est bien, Chobiti. Il faut. Il a fait toutes les merveilles. Oh putain. Regarde, putain, regarde ces deux armées là. Bim. Mais j'ai dit, je ne peux rien faire. Chi, c'est injouable. Ah oui. Chi, c'est un mystère.
sais pas comment on est censé gagner avec ce monstre des puits et des prés rigotés. Voilà. Sincèrement, ça, aucune idée de ce que je suis censé faire. On va aussi claquer ça. La bleue, il a 5 de force. Jamais dans ma vie je me paierai ça. Au maximum, je peux avoir 4 là. Voilà. Contempler la toute-puissance de l'armée de Chi. Je peux avoir avec 2 unités moins de force que lui en a avec une seule. Et là, avec tout le territoire qui s'est pris, je suis sûr qu'il peut se faire une ville. Garantie. Ah oui, ça c'est clair. Bon bah du coup on va... Puisqu'on m'incite, allons-y hein. Ah oui, c'est comme ça que tu joues, c'est comme ça que tu vas m'éclater la gueule, mais sans difficulté hein. T'as même pas besoin de tryhard. Moi il faut que je tryhard pour te ralentir, c'est tout. Là j'avoue, j'ai complètement salé parce que chi, je me suis cassé les dents maintes et maintes fois, je ne sais pas comment. Bah fallait pas le pocher. J'ai couché toutes les cases moyennes, le fait que c'est sommé dessus. Les six bah minutes. Ouais, mais vu que t'as un très bon score, tu tombes sur celle. T'es moins privilégié, quoi. Dans le choix. Oui, enfin voilà, c'est le jeu qui me remet à ma place, quoi. T'as qu'à être moins bon. Il me remet les pieds sur terre et les pieds sous terre, sans qu'à faire. 6 pieds sous terre. Ah, j'aurais pu faire une phrase beaucoup plus rigolote. Mais ah putain, c'est beau. C'est non. Beau. Ça on peut. Ouh, j'ai réussi à choper une technologie d'océan, incroyable. On va devoir se battre là, donc on va prendre ça, même si c'est pas ouf. Là. C'est vraiment intéressant. On pourrait aller chercher ça. Ouais, on va prendre ça. Ici, on en est où? C'est pas mal. Il faudrait qu'on aille chercher ce truc-là. Tac. C'est ça qui va nous vraiment nous aider en fait. En vrai. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que ça... on peut se dire voilà, parfait. On va investir là-dedans. On va aller prendre ça, allons-y. Ça ne coûte rien. Bah, mais 2 armées, ah oui. Bah, t'en as combien toi? Excuse-moi, il me semble savoir compter jusqu'à 2 aussi. Hein. Ouais, mais moi je suis cerné, c'est différent. Oh, il veut qu'on pleure. Est-ce que vous pourriez tous pleurer un petit peu pour le signe? Moi, je pense que c'est nécessaire parce que, à mon avis, il est vraiment malheureux. Ah là là, il a pas la vie facile, quoi. Ah là 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 là. On m'oblige la violence, quoi. Franchement, vous êtes témoin. On n'oblige à rien du tout. Tu pourrais te rendre. Amicalement, bien sûr. Ah. Terrible. Vu. Qu'est-ce que je fais de mon freak? Je le gaspille, bien sûr. C'est Rossignol qui nous attaque, là. J'attaque qui? Moi. Est-ce que t'as vu mon rang de force? Est-ce que t'as vu que je fais strictement rien? C'est vrai que t'es moins fort que moi, même en me défendant pas, donc ça va. Il cesse la péter un peu quand même le signe aussi. Hein. Ouais, il est en reste. Hein. Quand il s'y met, il n'est pas tout à fait innocent. Hein. Ah bah vous cherchez en même temps. Hein, qui c'est qui m'a charrié pendant une heure le temps que je décède dans la douleur tout à l'heure. Hein. Je sais pas. J'ai pas fait attention. J'ai pas souvenir. Quelqu'un a fait ça? Oui. Vous pouvez répéter la question? Je vous rappelle qu'on l'a sur bande, hein, donc...
Voilà. Non. Ouais, bon. Ouh, des frondeurs. Ça, on craquera pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'idée, je pense. Ici, ça, ça va changer. Là, on va vraiment investir. Là. Maintenant, ça va chier. Vous avez voulu jouer au malin ? Attendez un peu. On va commencer à se poser des questions. Là. Ici, ouais, on est enfermé. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on commence à investir de ce côté-là. Là, on va rester, je pense. On va abandonner ça. On va laisser s'amuser. Par contre, du coup, on va renforcer ici. Mmh. Ouh, il fait quoi la peine ? Attends, c'est qui ? C'est Rossignol ? Oui. C'est pas tranquille. C'est juste une petite casperée pour faire un petit objectif. Ouais, t'as... Elle est bien bonne celle-là. Ça passe. C'est comme tout à l'heure. Après, je m'en vais, promis. C'est comme tout à l'heure, j'ai créé une armée, mais c'était juste pour me défendre. Oulala, John Pitt, la référence. Quand on attaque un empire, l'empire contre-attaque, exactement. Et là que j'ai fait exprès de pas menacer les cases de la signature pour être tranquille. Et ben voilà! J'ai défoncé! Qu'à nous essayer pendant 4 tours, oh oui, j'y crois. Alors, ça, c'est faisable. Ça, par contre, on s'en fout. Toc. Comment on sait qui gagne ? Alors l'objectif final du jeu, c'est de récupérer un nombre de couronnes. Donc là, on doit en faire 5. Le premier à 5 gagne la partie. Et là, on voit les différentes couronnes pour l'avoir. Donc avoir un certain nombre d'habitants, avoir de la force, de la richesse, avoir un nombre d'armées, un nombre de cases sur la carte. Ça va être compliqué sur cette carte. Des villes capturées et des technologies de force. En gros, c'est complexe. C'est pas le jeu où c'est le plus simple à savoir. Ouais, c'est vrai qu'on a très vite tendance à aller un petit peu dans tous les sens, se défendre, etc. Alors qu'au final, c'est pas forcément le vrai objectif, quoi. Non. Et parfois, tu peux gagner alors que tu fais un truc dans ton coin et que tout le monde se tape sur la gueule, quoi. Aussi. Ouais. Attention à ça, quoi. Voilà, là, on va pouvoir investir dans ces trucs-là, ça va bien nous aider. Putain, il faut avoir 18 de force pour gagner la statue de Zeus. Ouais, le jardin suspendu, 800 de richesse, c'est pas mal aussi. N'importe quoi. Là, on a une ligne de défense. Sachant que c'est pas du one-shot, quoi, il faut les maintenir, ces valeurs. Oui, c'est ça. Haha, tu fais moins le malin, là, hein. À quel moment j'ai fait le malin dans cette partie ? J'ai pas, j'avais l'impression que t'étais un peu en mode oui, t'attaches, je te repousse, nanana. Bah, tiens. Est-ce qu'on peut réduire un type de perte plus que. Sûrement que si, les 3 barres. Sûrement si t'as une mission pour. Ça va avoir la mission, ouais. Genre je viens de l'avoir là pour les richesses, faut être en dessous de 0. Ouais, mais c'est une récompense en particulier, quoi, parce que là ouais, il me reste un truc de perte à diminuer, mais j'ai déjà une quête dessus, et on me propose de réduire un type de non, quête. Non, tu peux pas. Je pourrais pas faire les deux, quoi. Bon. Tu peux tomber à... Oui, tu peux pas avoir des bonus, quoi. C'est vrai que ce serait cool. Bon, là, typiquement, on est sur le genre de partie qui va durer très longtemps, par contre, hein, parce que... Bah, c'est pour ça qu'on a mis 5. C'est pour ça qu'on a mis que 5 couronnes. Même si Morgane peut perdre, et encore, bon, ça va pas se faire non plus
en 10 minutes. Putain, j'ai perdu ces unités. Bah, on sait pas comment moi ça j'ai se passe fait des lignes de défense. Quand il y en a un qui perd, parce que tout à l'heure j'ai perdu, mais pas assez vite pour que Gaelden ne gagne pas. Donc, du coup... Franchement, t'aurais pu faire un effort. Ouais, bah ouais, je suis assez d'accord. Moi j'ai oublié de passer mes unités. Là, t'as eu ta cave partout. Putain, c'est. Dissous de bonne armée. Oh bah oui, tiens. Je vais faire ça. C'est mon plan. Hop là, on va poser ça. On va renforcer notre ligne ici. Alors, est-ce que avec ça on peut aller chercher des trucs pas mal? Ça c'est bien. Ça c'est pas mal aussi. What? Oh, j'ai raté un truc. Bon, là, on a un vrai vrai boost là. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on va s'emmerder là? Ça vaut vraiment pas le coup. Ouais, mais si maintenant ça me coûte plus trop cher. Ouais, mais non, je n'ai pas envie. J'ai envie de garder cet investissement. Qui est premier là? C'est Zikino qui est premier. Ah, mais il est en train de se faire attaquer tout vite d'un coup là. Au niveau militaire, j'avais pas l'impression, mais peut-être. Hein. Ah, si, il y avait ces pertes-là, j'ai oublié. Les pertes de force, ça aurait été rentable. Important. Surtout la première. C'est tellement importante. Ouais, ça c'est. C'est clair que la perte de force, elle fait mal. Hein. Du coup, j'aurais pu prendre la mission. Tant pis. J'ai fait tout un guide dessus que vous pouvez retrouver sur le hub de la communauté Steam. Non, une fois que t'as passé ton tour, t'as passé ton tour. Ouais. Affirmatif. Ouais, désolé. Ah non, bah de toute façon, c'est moi, je l'avais passé, donc c'est mort du coup. Qu'est-ce que tu nous fais là, Morgane? On avait dit qu'on défonçait le signe. Alors non. Oui, mais défoncer le signe, c'est pas possible. On avait dit qu'on défonçait le signe, non mais. J'aurais... Fais absolument aucun effort. Bon, d'accord, je m'en vais. Bon. Ça, malheureusement, bah, c'est pas le moment de booster ça. Pourquoi ça ne m'a pas de volume? Ça. Ouais, on en a quand même un peu, ça peut valoir le coup. Et là. Ça vaut le coup, je pense, d'aller par là. Oh, la mission de l'enfer, j'ai dépensé 25 vives pour me déplacer, mais vu que j'ai le truc pour me déplacer 50% moins cher, bah ça me coûte rien de me déplacer, c'est terrible. J'ai fait 4 fois le tour de la map, exprès. Non, parce que c'est en un seul déplacement qu'il faut que tu le fasses. Ouais. Oh là là. C'est pas marqué, hein. Dépenser 25 vives pour déplacer une armée. Pique-lui sa ville. À mon avis, il va déplacer une armée pour se défendre. Mais c'est surtout là la récompense, quoi. Un de force pendant un tour. Oui, ouais, c'est vrai que ça vaut pas trop. Ouais. Gaelden, sache que je peux être une galère dans ce lac. C'est pas faux. Mais ensuite, c'est la galère qui sert plus trop à grand chose. Mais pourquoi tu viens me. Laissez-moi tranquille. Ouais, ça, c'est quand même plus intéressant. La carte un peu bait, hein, je pense, surtout en partie multijoueur. Éliminer un empire. Gagner n'importe quelle technologie. Non, multijoueur. Je veux pas dire, mais Zikino, il a déjà 3 étoiles, hein, 3 couronnes. Ouais, il vient de s'en faire. Hein, j'ai une mission. Avec les habitants. Oh la vache. Oui, c'est le truc principal de ma civilisation, non? J'ai l'impression d'avoir que ça à faire de mes sous de prairie, là, augmenter mes villes, donc au bout d'un moment. Le signe qui est en train de descendre le fleuve, il a envie d'aller passer un séjour à la plage. Alors, on va investir là, ici, on fait.
là-dedans. Vu qu'on commence à y aller, on va prendre ça. Et à l'ouest, comment ça se passe? Oh, ça se tabasse. Ça tabasse, ouais, ça se cogne dessus. À l'ouest, rien de nouveau. Oh la vache, il arrive à défendre ça. Ah oui, je l'ai aussi. Éliminer un empire. Non. Facile. Là, on va prendre ça. Ça va nous aider un petit coup. Oh, presque. Non, on n'a pas ce qu'il faut. On peut pas vraiment se permettre de ce côté-là. On est d'accord que les techs de force sur les différents biomes, c'est à la fois en attaque et en défense. Oui. Alors là, comment ça se passe? 18 le Wu de force, là? Bah c'est la teuf. 21, si t'es sûr. Monsieur, quoi. C'est combien pour gagner 5? Ah oui, t'as mis une galère et deux armées. D'accord, je vois. Non, non, c'est pas vrai. Tu vois cette ville, hein? Bah, c'est un peu le verrou, quoi. Tiens, on peut pas mettre plus. Dommage. Par contre, là, non. Non, ça c'est pas intéressant. Comme ça, du coup. Un peu partie des choses que je reproche à ce jeu, c'est que quand t'as un verrou qui est trop fort, en fait, tu te retrouves. Il y a un moment où tu te retrouves coincé, quoi. C'est nous le deuxième 3 étoiles. Bien joué. Alors, on sent qu'il y a une petite alliance Gaelden-Morgan. Non, pas du pour tout. Tenter la violence. Moi, j'essaie de survivre, excuse-moi. Non, non, on mais... parle de Rossignol et Zikino qui me victimisent là. Je suis pas le premier à avoir sorti une armée. C'est vrai. Et Rossignol il tente un petit coup dans le dos, je l'ai vu, hein, t'inquiète pas. Ouais. Mais non, mais non, aussi. Mais c'est parce que j'ai une mission. Oui, j'en doute. Oui, pas. Oui. Oui, oui. Oui, tout le monde a une mission. Moi toujours. Aussi j'ai plein de missions. C'est toujours la réponse à tout. J'y arrive pas. Du coup, on va booster ça, on y va. On va prendre ça. Je pense qu'on va même prendre... Alors, attends. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chercher ça là. On peut y arriver assez vite. En vrai. Ouais, c'est la fête là-haut, là. C'est impressionnant parce que c'est 4 cases contiguës, mais c'est que 4 cases. Franchement, c'est impressionnant parce que tu mets toute ta force dessus pour y arriver, quoi. Ouais, voilà, puis toi, tu vas envoyer une unité et tout le monde en vain. On est sur quoi? 10... Je pense, toi, là, tu pètes mes océans. Quand ça porte. Déjà 3 étoiles d'ailleurs, Zikino aussi. Ouais. Vous êtes courant ? Habitant, bah évidemment. Je sais même pas pourquoi je pose la question. Ouais. Moi j'arrive plus à me développer. Mais t'as pas beaucoup de place, faut dire. Bah oui. Là, ouais, mais si j'investis, c'est pas le bon moment. Ici, du coup, on va prendre. Juste ça, pour économiser. Oh putain! T'as pas coûté tant que cher, ce déplacement de galère! Ce déplacement de la galère! Non, ça va!
Une vingtaine, je crois. 25. 25. Oh zut. C'est un tiers de ce que je produis partout. Ah, là, il y a tentation là. Laisse tomber quoi. Est-ce qu'on est gourmand? Ouais, allez. On est gourmand. De toute façon, il nous embête exactement. Et puis d'abord, il fait rien que de nous embêter. Faire une armée, attaquer, piller, recommencer. Si peu. À tes souhaits. Ah, ma première couronne. Bien joué. Bien joué. Je me demande laquelle c'est. Pour moi. Moi, je sais pas ce que c'est une couronne, j'ai pas le concept. Ah ouais, carrément. Ouais. La grande invasion. Oh oui, des archers montés. Le feu. Si je repousse la galère hors du lac, est-ce que... Elle va dans la ville. Elle va dans la ville, ouais. Ah, j'imagine. Ça, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup. On prend. On va développer ça. Et ici... On garde ça. Allez, Gecko, je te laisse un peu tranquille. On peut pas se permettre de faire ça pour l'instant. Je vais aller voir notre char voisin. Ouais, moi je suis dernier quoi. Oui, c'est pour ça que je te laisse tranquille. Ah bah je fais putain le nombre d'armées dans le signal. Vache. Il est érudit hein, ça se sent non. Ah mais c'est les montagnes là. Il avait dit la Sun Tzu en fait. Voilà, l'ordre est là. En fait, je voulais faire le trophée avec cette armée, mais c'est beaucoup trop cher. Ah ouais? Je t'ai eu, je savais que tu allais mettre une unité pour défendre ta ville. Mais de quoi tu t'es concentré sur la forêt? Maintenant, je peux encercler ta ville. Avec violence et préméditation. Tu penses que ça va marcher? Non. Je me sentais intelligent pendant quelques secondes. Que j'ai appris ma rivière. Ça, c'est un risque, mais c'est calculé. Oula. Signe calcul. Tout à fait, je calcule. C'est très impressionnant. Le concept dans ce jeu. 39, 187. J'ai pas compté. 187, ça fait 52. Donc je peux payer 50, je récupère 3. Ok, on va voir. Est-ce que j'ai compté? Oui. Et après, c'est moi qui calcule, quoi.
Oui, mais il y a une différence. C'est que moi, je suis complètement abruti. Ça, c'est dit. Voilà, les gens, Cassine, t'as vu, c'est menaçant ce qui se passe à l'ouest, là. Ouais, ouais, j'ai vu. Il faudrait envoyer toutes tes troupes. Voilà. Au moins. T'inquiète pas pour ta ville, hein, je vais la défendre, moi. Non, je menace, pour de vrai. Je croyais pas. Ouais. Non. Merde, je suis con. Oula, y'a plein de gens qui ont 4 étoiles. Ouais, y'en a plein qui en ont 0. Ça, c'était très rentable. 14 de force sur 18. Oulala, ça pue du cul. On va même pouvoir investir là-dedans. 14 de force, putain, mais. Ah, bah, il met les moyens, Morgane, ouais. Il faut qu'on s'y mette à 3 pour tenir aussi en respect. Quand même. Je tiens à souligner ce détail. Tu considères que tu me tiens en respect, là? Bah, le jeu me dit que je vais mettre à 5 tapis. Bon, après, tu vas juste prendre 4 unités en un tour et tout se déglinguer, mais... Écoute, surprends-nous. On va voir. Moi que j'ai tort. Il y a la moitié de la frontière entre Gecko et moi qui est toute couverte de cercles. Ça rapporte quelque chose de dissoudre des armées ? Sans de bouffe. Et tu après, peux... tu es dans le fion parce que tu rachètes ton armée. C'est pas rentable. Ouais. T'as une mission. T'as juste une mission qui te permet de le faire. Ouais, ouais mais si tu ne peux pas, ça te rapporte rien ? Tu peux pas, tu peux pas sinon. En fait, tu peux pas le faire. Ouais. Ah d'accord. Tu peux pas dissoudre. Le seul moyen de dissoudre une armée, c'est avec la mission et ça te rapporte 100 de nourriture avec la mission, mais c'est franchement pas. Ouais, c'est pas rentable. Je déconseille. C'est un peu piège cette mission parce que dans l'idée, c'est sympa. Mais oui, j'ai la ville. Mais la récompense un peu pourrie. J'ai chopé la ville. Wouh. J'ai. Et moi, je me permets un peu de. Enfin, on est dans cette courte ça, victoire. Tu peux, ça, c'est pas entendu. Je te rassure, ça, c'est pas entendu. Tu peux fanfaronner. C'était exactement pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, je l'ai quand même fait. Temps pour chercher ça. Là... Ouais. Ah putain. C'est pas ouf, mais ça va. Ouh, j'ai une couronne. Si Kylon a besoin plus que d'une pour gagner. Ouais, et moi j'ai perdu les miennes du coup, avec ta conquête. Sachez que à 10 de bouffe, je gagne un. Eh bah, chais, signe, chais. Ça va être mon que 3 habitants. Ah, putain, 9 de bouffe. Personne qui veut me faire un don, là? Attends, mais... Signe, je t'envoie un doigt, si tu veux. Ah bah, oh. Attends, signe, tu fais que 45 de bouffe par tour. Oh. Je pensais que tu ferais plus. Après, c'est vrai que t'as commencé à être un peu réduit ces derniers tours. Bah ouais, ouais. Je me débat, mais une fois de plus, hein, tout le monde se met sur la gueule du streamer, hein, je constate. Il a fallu qu'on se mette à 3. Oui, bah ça n'empêche que vous vous mettez à 3. Pas de honte, hein. Ça, avec tout ce que je mets, je peux te contester une case. Ah. Et moi 0 avec 3 unités. Mais t'as vu la taille de la ville? Oui, non mais je sais bien. Non mais même... T'as que le signe, sa frontière avec toi, elle est bien fortifiée quand même. Non, tu crois?
Tu m'as donné une idée, j'avais une carte où il fallait que j'ai 300 de science et 200 de bouffe pour gagner. Je l'ai eu aussi. Du coup, je peux pas forcément faire grand-chose de plus, mais ouais, je peux viser. Tu peux viser ça, quoi. J'ai perdu la ville pour ça, mais bon. Gaffe à pas perdre tes couronnes, hein. Ah, il y a Ross. En perdant des villes. Ross, il y a les Pielden aussi qui sont à deux doigts de l'emporter. C'est vrai. Ouais, c'est serré, hein. Je pensais pas qu'on la terminerait, franchement. Mais à 42 habitants sur 32, je peux perdre une ou deux villes. C'est... Ah, putain, j'ai. Quand t'as de la place pour poser des villes, c'est... ça aide. Hein. Ah, j'ai pas le dire, ça. Je peux en mettre deux de plus, théoriquement, mais j'arrivais pas à forcément mettre les sous dans la bouffe. J'ai pas fait rien. Grossignol qui, avec ses montagnes, produit plus de bouffe que moi. Deux fois plus d'argent. Ouais, mais presque deux fois plus de science. Il a quelques forêts et de la plaine aussi, hein, ça aide. Hein. Il a toutes les réductions de pertes à fond, c'est un monstre. C'est ce que j'ai acheté en premier. C'est un monstre. Plutôt celle-là, tant qu'à faire, mais j'y arriverai pour. C'est vrai qu'on n'a pas fait les paris. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait de présage, ouais, cette fois. C'est un peu tard, là. Bon, j'aurais parié sur ce. Ah, moi, je parierais bien sur moi. Enfin, dit, ouais, hein, ça se débat. Hein. Gaelden qui fait, on sait pas trop quoi. Non, non, mais j'essayais, mais je ne peux point. Et GG. Zikino. Et voilà, Zikino. Ah non, pas du tout. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Ah, Zikino et Rossignol au coude à coude. Bien joué. Ah, il a fait un saut. Je suis quand même devant. Ah oui, effectivement, Rossignol aussi, qui a fait un amphithéâtre. Et à 10 de bouffe près, je gagne le tour d'avance. Bien joué. La culture l'emporte sur les brutes. Alors, on voit que moi, il y a un moment où ça a commencé à péricliter. Hein. Il y a des gens qui se sont mis un peu sur ma gueule. Je vois, il faut faire une coalition, quoi. Et Morgan qui termine 3ème. Hein. Ouais. Bah, ouais. Du coup, ouais. Mais comme quoi, tu vois, il est balèze ce départ. Il a fallu qu'on s'y mette à 3. Ah on s'y sera mis qu'à 2, tu aurais repoussé. Ouais. Ah, moi vraiment... à aucun moment, j'ai vraiment réussi à te repousser, quoi. Et bien en tout cas, GG pour cette partie. Je vais arrêter du coup la VOD là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire si vous en voulez plus, à passer sur le Discord si vous voulez tenter d'affronter un Morgan ou un Rossignol ou un Gaelden en furie. Et on se dit à très vite pour la suite. Salut la VOD. Ciao. Salut. Au revoir.